Analyse des bio pour la troisième et dernière publication de la matinée, enfin en tout cas de la session, qui va nous parler du web 1.0. Dont la communication s'intitule Si elle n'a pas changé entre temps. Elle a changé. Donc. Ah, donc, je vais vous laisser la présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'intitulé de ma communication a changé puisque j'ai décidé de me centrer vraiment sur les sites internet et pas de parler de la big data électorale. Mais vous pouvez me poser des questions parce que c'est mon terrain d'étude actuel puisque cette communication s'inscrit aussi dans un projet que je coordonne qui s'intitule « Réenchanter la démocratie avec le numérique » et avec un premier axe donc, sur l'usage du web par les partis politiques. Donc ça, c'est l'objet de cette thématique. Il y a un autre axe plus sur la citoyenneté numérique. Donc aujourd'hui, vu la thématique, j'ai voulu prendre un regard, un peu de recul sur qu'est-ce qui est proposé au niveau des sites de campagne par les partis politiques et notamment ici par le Parti Socialiste. Donc moi, je dis un peu de recul parce que évidemment c'est pas une étude historique, hein. On est juste sur 10 ans et puis je passerai rapidement parce que je vais m'intéresser surtout à deux cas d'études, la Kaopol, donc qui est un réseau social en interne du parti politique, hein, qui a été créé en 2010, et ensuite toutsolang.fr, donc le site internet de mobilisation lors de la campagne présidentielle française en 2012. Donc au niveau de la méthode, j'ai choisi donc m'intéresser à avoir une méthode, une entrée par plusieurs méthodes, on va dire. Donc essayer de questionner à la fois en ligne et hors ligne, donc à la fois en proposant des entretiens au niveau des concepteurs, donc ceux qui ont mis en place les sites internet de campagne, donc c'est à la fois au niveau des prestataires, les agences de communication numérique, parce que des fois ils font appel à des agences de com numérique, au niveau des équipes de campagne, et aussi au niveau des usagers, donc essayer d'interroger les adhérents, les militants, les sympathisants du Parti Socialiste, pour voir ce qu'ils font réellement des outils. Et puis ensuite, donc, ça passe par une étude quantitative au niveau de leur pratique militante et enfin une analyse des sites web. Donc je voulais refaire une petite remise en contexte. Au niveau des prémices du web, donc au départ, on avait vraiment un web très, très statique, hein, des sites internet, donc on est les premiers usages de sites internet de campagne, on est autour des années 2000, l'élection municipale, il y a une étude proposée par Rémi Lefebvre et Nathalie Etoin sur les municipales de 2001, avec le site qu'avait proposé Martine Aubry à Lille. Donc là, on avait vraiment un site très, très basique. En même temps, on est en 2001, donc très, très statique, avec juste des codes couleurs sur la thématique du rouge, et qui était juste un site où on pouvait avoir accès au programme de la candidate. Donc c'était une reproduction de ce qui était proposé via les tracts papier qui étaient mis en ligne. Peu à peu, il y a eu une volonté là je vous ai mis les mots de Lionel Jospin en 2002 qui parlait de faire campagne autrement, c'était son slogan de campagne pour l'élection présidentielle en 2002 et il évoquait notamment la possibilité d'utiliser Internet pour faire campagne autrement. Donc il a évidemment mis en place un site internet de campagne, mais là encore, en 2002, on était vraiment dans un site très statique, aucune interactivité, une reprise du programme et juste une possibilité de contact par mail pour contacter l'équipe de campagne. Ensuite, un peu plus d'interactivité, donc avec ce qu'on a appelé le phénomène des webblogs en politique. Donc en 2004, il y a eu quand même pas mal de créations de blogs politiques, notamment au moment des régionales, avec là une volonté dans les discours politiques
de plus d'interactivité et de mise en scène de la personnalité politique du candidat beaucoup plus fort, donc avec des billets personnels. Donc là, il y avait, c'était pas uniquement, pour la plupart en tout cas, hein, juste un programme qui était mis en ligne tel qu'il était proposé en version papier. Mais là, il y avait aussi des contenus dédiés uniquement au support numérique, notamment des prises de position plus personnelles sur des thématiques d'actualité. Donc l'idée était voilà, de proposer en quelque sorte des petites exclusivités via cet outil de communication, notamment pour une communication plus personnalisé, on va dire, avec une personnification même des candidats qui proposaient ce type de blog. Et 2005, donc, ça a été un tournant, on va dire, dans la prise de conscience politique de ce qu'on peut faire avec le numérique, parce que pour le moment, là, les exemples que je vous ai donnés rapidement, on était vraiment dans quelque chose de très descriptif et reprise des contenus papier. Et penser l'outil comme les sites de campagne uniquement comme des outils de communication. Donc juste présenter le programme, présenter la biographie du candidat, potentiellement son équipe de campagne par exemple, le site internet de Lionel Jospin, on avait l'organigramme de campagne. Mais vraiment, c'était juste de la communication et de l'information. Voilà. Alors que avec ce traité européen en 2005, donc on a eu l'idée que ça pouvait effectivement avoir un effet et que ça pouvait être un enjeu stratégique fort des campagnes électorales d'avoir des blogs, des prises de position différentes. Donc il y avait cette idée qu'un site internet ou un blog, c'est pas forcément uniquement de la pure communication, il y avait aussi des enjeux stratégiques de positionnement forts. Et donc on a retrouvé dans les discours des hommes politiques au niveau de leur discours au début des années 2000, on était aussi dans un discours indiquant que ça pouvait permettre plus d'ouverture. Un discours aussi au niveau de rénovation des pratiques militantes, de rénovation de l'organisation partisane qui peut paraître un peu vieillissante. Donc c'était l'idée voilà, d'ouvrir le parti et de paraître plus moderne en utilisant le numérique. Donc là, je vous ai mis des extraits, notamment le Congrès socialiste du Mans en 2005, où on parle déjà de constituer une banque de données, donc on parle déjà des bases de données, pour avoir des jeux de fiches, comme c'est indiqué, pour parler à davantage de personnes aussi. Je vous ai mis aussi le discours de Nicolas Sarkozy en 2004. Donc là, c'était au Congrès des jeunes populaires. Donc il s'adressait donc aux jeunes militants du parti, jeunes adhérents, et il leur indiquait effectivement que il y avait une idée de participation, de démocratie, on va dire participative, qui était très forte à ce moment-là, espace de liberté, de créativité, d'ouverture, d'audace, de générosité et de débat. Tels étaient les mots de Nicolas Sarkozy pour essayer d'engager voilà, une dynamique participative liée au numérique. En 2007, on a eu aussi cette dynamique participative qui a été très forte avec la campagne pour l'élection présidentielle française avec la candidate Ségolène Royal, donc, qui avait mis en place son site Désir d'avenir. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran de son site. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça ne reprend pas les codes couleurs de son parti, parce qu'il y a aussi un enjeu de positionnement assez fort, puisque la candidate Ségolène Royal n'était pas à ce moment-là la candidate attendue. Elle a pu être élue grâce notamment à ce qu'on a appelé les adhésions à 20 euros sur Internet. Donc il y a eu une montée en puissance des adhérents presque qu'on appelait même low cost, qui ont voté pour que Ségolène Royal soit la candidate, et elle n'était donc pas forcément attendue au sein du parti. Elle cherchait donc des soutiens
en dehors du Parti socialiste. Et il y avait donc cette volonté, avec son site de campagne Désir d'avenir, d'ouvrir à pas simplement les adhérents du Parti socialiste, mais déjà à la communauté, à l'association qu'elle avait fondée, Désir d'avenir, et puis plus largement. Donc il n'y avait pas une reprise forcément des codes couleurs classiques qui ont souvent regardé en 2002 ce qu'avait proposé Lionel Jospin. On était dans des codes couleurs du rouge, enfin, on est dans un code couleur différent qui se démarque donc des canons traditionnels du parti, avec une volonté aussi de féminiser. Ça a été dit par un de ces membres de ces équipes de campagne qui parlait de féminiser aussi les outils numériques. Donc là, on est dans ce type de volonté avec cette couleur. Et aussi la démarche participative qui a été assez forte, puisqu'il y avait avec les cahiers d'espérance l'idée de co-construire un programme et donc d'avoir un site très différent de ce qui avait été proposé à l'élection présidentielle passée, donc de 2002, qui était très statique, comme je vous l'ai dit, et là de proposer des espaces interactifs où chaque internaute pouvait déposer ses propositions pour co-construire le programme de la candidate. Alors il y a eu de nombreuses propositions. La difficulté, c'est que ces propositions ne se sont pas retrouvées ensuite dans le programme officiel de la candidate, ce qui a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration, et on l'a accusée à ce moment-là de surfer sur la vague du participatif, sans pour autant prendre en compte ce qui avait été proposé en ligne. On retrouve ça beaucoup aussi dans toutes les thématiques sur les débats publics, donc cette idée qu'on vous demande de participer. Déjà, quand il y a de la participation, c'est bien. Là, il y en avait beaucoup, parce que c'était quand même une campagne nationale avec une première initiative de ce type et un mouvement autour de la candidate. Et après, des frustrations très importantes liées au manque de prise en compte, finalement, de la participation effective. Deuxième temps, ça va être les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont accentué encore cette volonté de créer des sites de campagne interactifs. Donc évidemment, dès qu'on parle de numérique et politique, dans le discours des enquêtés au niveau des équipes de campagne françaises, c'est toujours la référence à Barack Obama. Ça vient de manière systématique l'inspiration américaine. Et effectivement, en 2008, il y a eu quand même un succès de sa campagne numérique, notamment lié aux réseaux sociaux, à Facebook, et une organisation militante du terrain qui s'est effectuée en ligne, donc très rationalisée. Et donc il y a eu une volonté des partis politiques français dès 2010 de s'inspirer de la campagne américaine de Barack Obama. On le voit par exemple au Parti socialiste dans le think tank Terra Nova, qui avait produit une note en disant qu'il fallait effectivement s'inspirer de ce qui avait été fait dans cette campagne, et donc de créer son propre réseau social partisan dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Donc en 2010, plusieurs partis politiques français ont créé leurs propres réseaux sociaux partisans. Donc c'est les créateurs du possible pour l'UMP, les démocrates pour le Modem, et la Coopole pour le Parti socialiste. Donc on a vraiment un effet de mimétisme. Pour pas avoir l'air dépassé par rapport à son concurrent, on va créer forcément cet outil. Donc là, j'ai décidé de me concentrer sur ce cas d'étude de la Coopole. Donc la Coopole, ça a été créé le 12 janvier 2010 au niveau de la direction du web du Parti socialiste à Solferino. L'idée, ça va être de proposer des espaces de débat. Donc on est toujours dans cette dynamique de l'interactivité, de la discussion. Mais aussi, donc, en s'inspirant de ce qui a été fait avec la campagne américaine de Barack Obama, de proposer des espaces pour essayer d'organiser l'activité militante et de la rendre plus efficace, notamment en lien avec le porte-à-porte, cibler les portes à frapper, cibler les quartiers où on va les tracter. Il y avait cette idée aussi de ciblage et que ça pouvait s'organiser en ligne via cette plateforme, via ce réseau social, puisque en 2010,
Il y avait l'idée que Facebook n'était pas encore très, très, très puissant, on va dire. Donc, l'idée pour le parti politique était d'avoir son propre réseau social et ainsi d'avoir aussi un impact, un effet médiatique, puisque ça a été très médiatisé, l'ouverture de la Coopole. Donc là, on voit sur la page d'accueil de la Coopole ces idées-là, donc, avec le petit logo qui parle de agir, partager, échanger, s'informer. Donc c'était assez rapide finalement de s'inscrire à la Coopole. Il suffit juste d'avoir une adresse mail et de l'enregistrer et de mettre en place un code. Et ensuite on avait accès aux espaces d'échange et de débat, avec toujours l'idée que ça pouvait permettre plus d'horizontalité, donc de casser les structures partisanes assez classiques qui sont en fait très hiérarchisées du local au national, et donc de permettre de discuter dans des groupes de discussion. Donc là je vous ai mis quelques extraits d'entretiens qui reviennent sur cette idée effectivement de mettre en place des espaces de débat avec tout un imaginaire autour du numérique, voilà, plus d'horizontalité, des discussions plus spontanées, voire aussi plus expertes, puisqu'on peut discuter sur tous les territoires avec voilà, un décloisonnement des frontières temporelles et spatiales. Donc voilà, les potentialités du numérique qui sont vraiment mises en avant dans le discours des concepteurs, donc Valérie Mota et Benoît Thiolin. Donc Benoît Thiolin qui était directeur de la NetSquad, donc c'est lui qui a mis en place l'outil. Et Valérie Mota qui était, lui, au niveau de la gestion, après, sur le long terme, au niveau de la direction du web à Solferino. Donc plusieurs groupes ont été créés, qui se présentaient comme ça. On pouvait créer une thématique et ensuite discuter au sein de cette thématique. Alors je vous ai proposé deux objectifs, et on va voir que ces objectifs sont finalement difficiles difficile à atteindre. Le premier objectif, c'est l'objectif de débat. Alors, finalement, quand la Coopole s'est lancée le 12 janvier 2010, il y a eu un raz-de-marée de militants qui sont arrivés et de sympathisants, parce que l'idée c'était aussi une idée d'ouverture, donc de sympathisants au Parti Socialiste qui sont allés sur la plateforme. Et qui ont participé. Donc très rapidement, on a eu 40 000 inscrits, ce qui est très important dans une dynamique pour un parti politique. Hein. Mais dans le même temps, il y a eu une modération très très forte. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien avec Mathieu Degand, qui est donc le responsable de la Coopole, et qui dit « Au début, on a eu pas mal de militants qui sont venus et qui se sont un peu écharpés. Tu es de telle motion, donc je ne t'aime pas. Tu soutiens plutôt un tel, une telle, donc je ne t'aime pas. Ça pouvait parfois être assez violent. On a mis le bon ordre. Ça a pris environ 3 ou 4 mois. » Donc effectivement, il y a eu une volonté de participation très 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 forte au départ, parce que ça a été très médiatisé. Et que c'était un espace, voilà, ils avaient adhéré à l'idée, les adhérents avaient adhéré à l'idée qu'effectivement on pouvait voilà, discuter avec un adhérent d'une autre section en Bretagne alors qu'on était à Bordeaux, et discuter comme ça ensemble sur des thématiques particulières où on était experts. Donc il y avait vraiment une idée de nouveauté à ce niveau-là, au lieu de rester dans sa petite section locale et à discuter toujours avec les mêmes personnes. Donc ça a créé une émulation, mais qui a été vite réfrénée, puisqu'il y a eu une modération très 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 forte, liée notamment à cet enjeu de médiatisation, puisque au départ, la Coopole, c'était un outil de communication pour pas faire, laisser paraître le parti comme très moderne. Mais il ne voulait pas non plus, au niveau de la direction de la communication du Parti Socialiste, laisser rendre visibles finalement les disparités, les courants, les conflits au sein même du parti. Il y avait une volonté de garder une image d'unité. Donc ça a été du coup fortement modéré pour pas avoir ces conflits visibles au sein d'émotions, puisqu'il y avait beaucoup de journalistes, c'est ce que dans l'entretien que j'ai eu avec les gestionnaires, ils m'ont dit qu'ils avaient repéré qu'il y avait beaucoup de journalistes qui s'étaient inscrits pour analyser et faire des articles sur ce qui se passait sur la Coopole. Donc ils ne voulaient pas que ces journalistes puissent dire que c'était conflictuel au sein du parti.
Un autre élément qui montre bien que l'objectif de débat est difficile à atteindre, donc puisqu'il y a eu une modération très forte les 3 ou 4 premiers mois, il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont allés ailleurs sur des outils concurrents, notamment Facebook, qui commençait déjà à monter en puissance en 2010. Et on voit du coup que, là je vous ai mis un débat entre les mains d'une minorité, donc le groupe le plus peuplé de la Coopole, donc peuplé, j'ai repris les termes de la Coopole, donc 372 messages, c'est pas énorme, et c'est allé encore moins quand on voit que 158 émanent de la même personne. Donc quand on parle de débat, c'est sûr que c'est un débat qui reste quand même assez limité. Donc ça, c'était pour l'objectif de débat. Le deuxième objectif qui est difficile à atteindre, c'est l'idée de déterritorialiser. Donc comme je vous l'ai dit, pouvoir finalement utiliser et débattre sur n'importe quel endroit avec un autre adhérent d'ailleurs. Donc c'était vraiment un discours politique très très fort. Je vous ai mis donc aussi le discours tout à l'heure, un extrait du discours de Martine Aubry quand elle a présenté l'outil, donc elle a été revenue là-dessus. Mais en même temps, dans la conception même de l'outil, il y a une reproduction de la structure du Parti Socialiste, des échelons territoriaux. Donc quand on s'inscrit, quand on veut créer un groupe de discussion, on nous demande de quelle section on est. Alors que l'outil est censé être ouvert aux sympathisants, donc aux personnes qui ne sont pas adhérents, qui ne se sont jamais déplacées dans une section, qui n'ont pas de carte. Donc forcément, déjà, l'outil, il est fermé à ceux qui veulent débattre sans, en tout cas, créer une thématique de débat sans avoir adhéré à un parti et sans être allé localement, parce qu'on peut aussi être adhérent, mais être finalement peu investi et ne pas avoir un code que nous aurait donné notre secrétaire de section pour débattre. Donc il y avait vraiment, encore une fois, une volonté de contrôle qui n'était pas là par la modération, mais qui était assez forte par cet encadrement via un code. Et ça reprenait réellement l'organisation territoriale du parti. On peut vraiment penser, donc là je vous ai mis un extrait d'entretien avec le concepteur de la Coopole qui dit « La Coopole, c'est une transposition de l'architecture des hiérarchies partisanes, c'est-à-dire les militants, les sections, les fédérations, les instances nationales. C'est une contrainte qu'on avait de structurer cette plateforme. » Donc il avait été donné comme contrainte au niveau de l'agence de communication du prestataire qui devait créer la plateforme, de reproduire l'architecture des hiérarchies partisanes. Alors que dans les discours de Martine Aubry et du Parti Socialiste à l'époque, on était vraiment dans un discours d'ouverture, alors que l'outil même, dans les consignes données à l'agence de com, reproduit ces structures. Deuxième cas d'étude, donc finalement 2 ans plus tard, toussolande.fr. Donc là encore, on va avoir un discours encore plus fort même d'ouverture sur ce site. Ça va être très marqué. On le voit, ça, l'idée, comme dans toute campagne électorale, mais encore plus aujourd'hui, c'est d'inciter à la participation. Donc là, je vous ai mis la page d'accueil du site de campagne Toussolande, qui était un site de mobilisation. Il faut savoir qu'en 2012, il y avait 2 sites. Le site françoishollande.fr, qui était un site plus institutionnel, où il y avait le programme, qui était vraiment destiné à un affichage plus statique, on va dire, de ce que proposait un peu à l'image de ce que proposait Lionel Jospin en 2002, mais évidemment plus modernisé. Et Toussolande, donc, c'était plus un site qu'on appelait de mobilisation, où là, c'était plus destiné donc aux sympathisants, pour essayer de mobiliser et d'activer l'action militante. Donc on voit, on leur propose de rejoindre l'opération porte à porte, de devenir membre active du numérique, donc de tweeter, on va vous donner des consignes pour tweeter, etc. Donc c'était assez incitatif, assez fort à ce niveau-là, dès la page d'accueil.
Il y a aussi une volonté de favoriser la participation en la suscitant, en montrant que d'autres le font. Donc pour aider à franchir le pas, on va montrer que le coût d'entrée dans le militantisme est finalement assez bas. Et là, on voit par exemple le nombre d'actions déjà réalisées, déjà 860 actions réalisées sur le site Tous Hollande. Donc pour inciter, on va chiffrer, et ce qui était amusant, c'est que ce chiffre augmentait tout le temps. On était sur la page et il augmente, on se dit, ah, ben, pourquoi pas nous aussi. Donc il y a toujours des incitations assez fortes, inscrivez-vous, connectez-vous. Donc à ce niveau-là, on voit que c'est fort. Et sur une autre partie de toutshollande.fr, on a aussi au niveau de la mise en scène, au niveau de ce qu'on appelle, donc vous aviez les blogs. Donc là, vous voyez notamment le blogueur à l'affiche, le tweetos à l'affiche. Donc on sait que si on est actif sur Twitter, ou qu'on crée un blog où on va parler de l'action de François Hollande et de sa campagne électorale, on peut avoir son instant de gloire, on va dire, et être très visible, donc aussi dans une dynamique de visibilité, même pour un blogueur, c'est intéressant. Donc il y a cette manière de rétribuer ceux qui agissent en ligne en leur proposant des espaces et en comme ça hiérarchisant le meilleur blog, et ça change à chaque fois pour essayer que tout le monde ait sa place dans ces espaces-là. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté, même dans les outils, dans le dispositif, d'amener à plus de participation et de l'inciter très très fortement. Pourtant, là encore, quand on va discuter avec les adhérents, enfin pas les adhérents, là on est vraiment à discuter avec les concepteurs des outils, donc ils vont nous dire que dans l'outil même, il y a une volonté de séparation entre les adhérents et les sympathisants, ou disons les internautes lambda. Donc on retrouve le même biais qu'on retrouvait avec la Coopole. Pourtant, la Coopole, je vous ai dit 40 000 inscrits, très vite, en un an, il n'y avait plus de participation sur la Coopole. Donc ça a été l'échec de la Coopole, il ne s'y passait rien. Deux ans plus tard, 2012, on pourrait se dire qu'il y a eu une prise de conscience des limites et du fonctionnement de la participation en ligne. Mais non, on a encore cette volonté d'encadrer. Vraiment une séparation entre les outils proposés aux adhérents et ceux proposés aux sympathisants, avec toujours ce système de code, donc un code à rentrer si on est adhérent ou si on ne l'est pas, donc vraiment une vision différenciée. Donc là, c'est comme je voulais mettre en avant ça, que vraiment dans les discours, la participation est vraiment mise en scène de manière très importante. Dans les pages d'accueil, si on regarde comme ça rapidement, on a l'impression effectivement que l'incitation à la participation, elle est très forte, mais l'architecture technique, elle maintient une tension profonde entre adhérents et sympathisants ou internautes classiques. Donc il y a vraiment une tension entre ces discours d'ouverture et ce qui est proposé au niveau du dispositif technique. Et quand on s'entretient donc avec les concepteurs, on voit bien que c'est pas du hasard, hein, mais c'est une volonté forte du parti politique de vraiment reproduire les hiérarchies partisanes telles qu'elles sont dans le monde, on va dire, hors ligne, les reproduire en ligne, et pour autant avoir un discours sur le en ligne, en reproduisant ces imaginaires et en faisant appel à ces discours d'horizontalité, etc. Donc finalement, est-ce qu'on peut donner une matérialité au changement via un site internet? Pour le dire vite, on voit bien qu'il y a des manières de faire, des pesanteurs système hors ligne. Donc là, dans le cas des partis politiques, des hiérarchies partisanes très fortes qui volontairement sont reproduites en ligne parce qu'il y a une volonté de contrôle de la parole partisane et une volonté aussi, même si il y a réellement une volonté de recruter, notamment pour les opérations de porte-à-porte, il y a un besoin de recrutement.
Mais on incite à la participation, mais après, dans les débats d'idées, il est clair qu'une campagne électorale n'est pas un espace, n'est pas un temps, on va dire, de débat, et qu'il se fait ailleurs, même sur Facebook. Moi, j'ai mené, là, je me suis concentrée sur les sites de campagne, mais j'ai mené des études sur Facebook, des débats en ligne, et même sur Facebook, le débat au niveau des adhérents n'a pas lieu pendant une campagne électorale, parce qu'ils sont incités fortement à ne pas débattre. Et juste à être dans une figure de supporter par rapport à leurs favoris. Voilà, merci. Merci.